Oui, bonjour. Alors, je suis Yannick Coudier, éleveur à Couiza, président de Viande Pyrénées-Audoise. L'association Viande Pyrénées-Audoise tient son assemblée générale aujourd'hui à Quillan. C'est une association qui est née en 2018, qui représente aujourd'hui 80 éleveurs et une quarantaine de bouchers. C'est une association qui a été créée pour mettre de l'huile un petit peu entre les bêtes qui étaient présentes dans la Haute-Vallée et pour qu'on les retrouve dans la vitrine des bouchers dans la Haute-Vallée jusqu'à Carcassonne et même Lézignan. Cette année, on travaille avec la marque Pays Qatar qui a été une opportunité pour développer un petit peu les volumes et pour faire progresser l'activité de notre association. Pour l'année 2021 et 2022, nous avons réalisé certaines actions avec nos partenaires. Entre autres, on a été présents sur une rencontre de rugby à Carcassonne-Narbonne. On a été aussi présents sur le festival Promode. On a été présents sur le festival des saveurs à Quillan. On a également réalisé des actions avec les Super U du département. Des actions de promotion également avec d'autres GMS, par exemple Intermarché à Esperaza. Pour pérenniser un petit peu notre association qui a un équilibre fragile financièrement, on a encore d'autres projets de développement, entre autres sur le bio, peut-être avec nos partenaires arriver à servir la restauration collective, peut-être des cantines, enfin voilà, tout un tas d'idées qui fourmillent un petit peu pour continuer de développer notre association. On se fait fort d'avoir tous nos produits, tous nos animaux qui sont abattus sur l'abattoir de secteur qui est l'abattoir de Quillan, où en général la majorité des transports est réduite à moins d'une heure pour arriver de l'élevage à l'abattoir de Quillan et qui après est livré dans les boucheries partenaires de notre association. Les éleveurs qui travaillent avec l'association de Viande Pyrénées-Audoise sont que des éleveurs de la Haute-Vallée de l'Aude. Donc, c'est-à-dire ça va du Chalabré, de la zone de Limoux, le pays de Sceaux, les Corbières, les Corbières occidentales, et qui amènent toutes les bêtes, les bêtes qu'ils nous proposent sur l'association Viande Pyrénées-Audoise, que vous pouvez retrouver après dans les boucheries. Et certaines boucheries et certaines GMS de la Haute-Vallée de l'Aude jusqu'à Carcassonne et plus généralement dans l'Aude. Les prochains événements à venir, ce sera notre présence sur la foire d'Espezel pour une partie de la vente de vaches grasses, de vente de vaches gasconnes des Pyrénées, qui va être à la suite d'un concours de vaches grasses qui va se dérouler sur la foire d'Espezel. Courant fin octobre.